Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Aujourd'hui, je reçois M. Fred Lordino. C'est un élu du Nord. Il est à la CTM, il est vice-président de l'Assemblée de la collectivité territoriale de la Martinique. Bonjour M. Lordino, merci bonjour, d'être avec nous. Bonjour Mano, bonjour à tous ceux qui nous regardent à Zouk TV. Alors, je vous ai demandé de bien vouloir venir aujourd'hui, si vous avez un petit moment à nous consacrer, pour nous parler déjà des dégâts du Nord. Parce qu'avec tout ce que nous avons subi comme pluie ces derniers jours, il y a pas mal de dégâts du côté du Nord. Et ça impacte la distribution de l'eau, évidemment, dans le Nord, mais aussi dans le Sud. Oui, ça impacte la distribution de l'eau, mais ça surtout affecte les habitations de très nombreuses familles dans le Nord à qui je veux témoigner ici de ma solidarité. Oui. Il faut d'abord mettre en œuvre tout pour reloger ces familles. C'est le moment de faire des réquisitions et de payer les gens qui vont mettre leur maison ou leur hôtel à la disposition de ces familles. Ça, c'est l'État qui doit accompagner les communes, aider ces familles, aider les jeunes qui doivent continuer à être scolarisés. Et puis, la deuxième chose, sécuriser les réseaux. Sécuriser les réseaux routiers, d'abord avec cette rupture de la circulation à Font-Saint-Jacques, sur la route nationale 1. Et puis les réseaux électriques, parce que les jeunes ont besoin d'informatique, ont besoin de travailler, et les familles aussi. Et puis, naturellement, le réseau d'adduction d'eau. On a perdu assez de temps. Il faut commencer les grosses réparations et notamment mettre en œuvre le chantier de Séguino. Ne perdons pas de temps. Lorsqu'il ne pleut pas, il n'y a pas d'eau potable. Lorsqu'il pleut, il n'y a pas d'eau potable. Ceci est de la responsabilité aujourd'hui des dirigeants actuels de la CTM. Alors, avec cette rupture de route du côté de Font-Saint-Jacques, les véhicules, les camions qui emmènent la banane sur le port, ils vont devoir passer par Saint-Pierre alors. Ou alors, est-ce qu'il y aura une route qui leur permettrait de... Il y a une déviation qui a été mise en œuvre par les services de la collectivité. Je veux saluer ici très formellement les techniciens de la CTM qui, dans des conditions difficiles, avec peu de moyens, avec une organisation, il faut le dire, assez médiocre. Oui. Parce qu'au sommet, il y a un conseiller qui est chargé de ces questions et qui, à mon avis, passe plus de temps sur Facebook, les réseaux sociaux, qu'à vraiment donner des moyens aux salariés de la collectivité. Donc, je veux saluer tous ces cadres, tous ces ouvriers qui rétablissent la circulation. Vous dites ça, sans nommer de nom, mais j'ai cru comprendre qu'il y a pas mal de salariés de la CTM qui s'en vont dans d'autres collectivités. Oui, il y a une hémorragie de cadres de haut niveau. En Martinique, nous avons cette chance exceptionnelle. Ça, nous devons le comprendre de notre pays. Nous sommes, dans les départements français, le département qui a le plus de cadres diplômés de l'enseignement supérieur qui travaillent dans leur département. Et ça, il faut qu'on continue sur cette lancée, continue à former des ingénieurs. Mais il se trouve que là, il y a deux ingénieurs brillants, trois même, qui sont partis, qui ont laissé la collectivité pour aller dans d'autres collectivités, tout simplement parce que le management n'est pas bon. Le responsable politique ne fait pas le job convenablement, il n'arrive pas à travailler en équipe, à faire que les cerveaux, les Martiniquais, ingénieurs, restent travailler dans la collectivité, et cela est très dommageable. Mais ils travaillent aujourd'hui dans d'autres collectivités qui, naturellement, ont besoin de ces ressources intellectuelles. Oh, ils étaient contents de les récupérer. Mais oui, ils bien ont récupéré. Sûr. Je ne vais pas donner de nom pour ne pas gêner ses compatriotes. Bon, d'accord. Mais aujourd'hui, il faut donc donner des moyens pour l'entretien de la RD15, Mano, parce que nous sommes, nous tous les deux, habitants du Nord. Du Nord. Mais on dit aujourd'hui que la déviation pour les poids lourds est déviée entre Brindamont et Dominante au Marigot. Mais vous avez vu l'état de la RD15 comme moi-même. C'est lamentable. C'est une route qui n'est pas entretenue, qui a besoin de travaux réguliers d'entretien d'abord des abords, d'élagage. Ma position est très nette. On ne va pas demander aux Martiniquais de payer pour élaguer. Là, il y a une dame de Sainte-Marie où il y a un arbre qui est en train de menacer sa maison. Il faut accompagner les Martiniquais.
créer des services et faire appel à des jeunes, des sociétés qui vont faire le job pour permettre de sécuriser nos routes. Donc, il faut faire de gros travaux d'entretien d'abord des abords pour que les véhicules puissent se croiser, les poids lourds. Donc, de d'où à où, à peu près ? C'est la croisée de Brenamont à Trinité. Trinité. Oui. Et en prenant la route, la RD15, qui va amener jusqu'à Dominant. Et ça sort à l'entrée du Marigot, ou bien à la sortie nord de Marigot. Donc, c'est toute cette route-là, CD15, une partie de la Nationale 4, qu'il faut bien nettoyer, il faut bien mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer un bon écoulement de l'eau, mais surtout réparer l'ensemble des ouvrages, les buses. Il y a beaucoup de buses abîmées parce qu'il y a beaucoup de petites rivières au gros monde et des ravines qui passent. Et depuis des années, ces dossiers sont prêts, mais il n'y a aucun investissement réel des dirigeants actuels de la collectivité territoriale de Martinique, et c'est dommage. Oui. Alors, près de Font-Saint-Jacques, là, il y a une déviation mise en place. Les petits véhicules peuvent passer déjà. D'accord. Ça, c'est pour les véhicules de moins de 13 tonnes. Donc, ils doivent prendre l'entrée au bout de Sainte-Marie, dans la plaine de l'Union, et rejoindre le CD15, puis reprendre la RD23 qui passe par... qui va les ramener sur la route nationale 1. Donc, j'espère que tout cela est transitoire, temporaire, que la canalisation d'eau potable, tuyau de 800, sera réparée assez rapidement. Et là, il y a de gros travaux à faire pour sécuriser cette zone qui est en train de glisser à Pointe-Bénie, ça s'appelle Pointe-Bénie. Il y a une station d'épuration pour les Samaritains qui connaissent les lieux. Et depuis des années, on a constaté un affaissement de ce terrain. Vous avez dû constater, comme moi-même, Mano, que sur la route nationale 1, quasiment, il n'y a pas eu de gros travaux ces dernières années. Même on a de l'eau maintenant, après Pelletier, là, dans le plateau, ce qu'on n'avait pas eu depuis des années. Nous avons de l'eau à Pointe-Jean-Claude, dans le carrefour qui est juste avant l'usine du Galion. Tout ça est lié au fait d'un entretien défaillant et je dirais d'une mauvaise organisation des services de la collectivité et notamment des services techniques dans le Nord et dans différentes parties du pays. Donc particulièrement, il faut qu'il y ait un gros effort. Par exemple, au droit de la Philippe après Font-Saint-Jacques, cela fait des mois que j'ai demandé en plénière aux responsables du conseil exécutif de traiter cette portion de la RN1, puisque maintenant il y a un collège et un lycée, le collège n'est pas encore ouvert. On avait dit aux parents c'était après la Toussaint, mais aujourd'hui on est après la Toussaint, il n'y a pas d'ouverture. Donc il y a un lycée et un collège, et j'ai fait plusieurs interventions pour demander à ce qu'il y ait une sécurisation de la route nationale 1 qui va permettre aux enfants, aux engins agricoles, aux tracteurs des planteurs de circuler en toute sécurité pour garantir, je le répète, la sécurité des usagers de la route. Alors, sous ces travaux-là, pour permettre de revenir à la normale, j'ai envie de dire, vous estimez ça à peu près à combien de temps ? Parce qu'il y a des dégâts énormes quand même. Oui, ça va durer sur plusieurs mois. Il ne faut pas se voiler la face. Hein. J'ai vu des réseaux électriques, des poteaux qui sont tombés dans un quartier de Verpré, je crois. Oui, oui. Et à Chérépice, là, ça va prendre des mois. Maintenant, c'est une vraie planification. Alors, on va à la prochaine plénière. Le responsable exécutif va présenter le schéma territorial des infrastructures routières. Un document volumineux avec beaucoup de dessins, mais il faudra définir une stratégie d'entretien et d'amélioration du réseau routier. Mais je peux dire déjà à nos compatriotes, à tous ceux qui écoutent Zouk TV, que personnellement, je m'opposerai à un certain nombre de gros chantiers inutiles, notamment un fameux viaduc à 100 millions d'euros au Nord-Caraïbe, alors qu'à Fond-Lahaye qui était inondé cette semaine. Et vous n'avez pas réglé les problèmes de base et vous voulez construire un viaduc à 100 millions d'euros qui va coûter en entretien 500 000 euros par an. Donc, ce n'est pas ça qu'il faut faire maintenant.
Maintenant, il faut sécuriser les points noirs. Il faut élargir la RN1 qui est la route la plus fréquentée du pays aujourd'hui, notamment à cause du trafic lié aux conteneurs de bananes, et donner des orientations fortes aux investissements. Ce qui se passe, c'est que les investissements sont à l'arrêt. Il y a beaucoup de papiers, beaucoup de discussions inutiles, mais peu d'actions. Bien. Alors, je sais, par ailleurs, que vous êtes très vigilant par rapport à cette histoire de COVID. Il y a quand même une question préoccupante pour les Martiniquais lorsqu'on entend un certain nombre de choses. L'État n'arrête pas de nous dire que nous sommes en phase ascendante, que le virus est en train de progresser à grande vitesse en Martinique et qu'il faut peut-être même être confiné comme en mars. C'est une mesure assez difficile à supporter, mais si c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. Mais là, ma question aujourd'hui, c'est est-ce que face à ça, c'est normal que le président de la CTM demande au président français de permettre que les chantiers de Noël se tiennent? Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose d'un petit peu de bizarre? Je suis moi-même choqué de cette attitude aujourd'hui du président du Conseil exécutif qui écrit au président de la République, M. Emmanuel Macron, pour demander une prétendue dérogation pour Noël, pour nous permettre quoi, en fait? De chanter des cantiques, de boire du schrob et de manger des pâtés cochons quand vous avez un système hospitalier qui est au bord de l'implosion? Mais c'est incompréhensible. Je le dis avec une forme de gravité, parce qu'il ne faut pas qu'on rigole avec ça. Le gouvernement dit qu'il y aura des phases successives. Il y aura une prochaine vague du virus, une explosion du virus au début de 2021 et justement probablement vers mai-juin, troisième vague et quatrième vague. Ça veut dire que chaque fois, puisque vous ne contrôlez pas le fonctionnement et la circulation du virus. Donc aujourd'hui, vous avez une collectivité qui est défaillante, qui a un laboratoire territorial d'analyse qui n'a quasiment rien fait en matière de prévention ni en matière de tests. Aujourd'hui, je ne sais pas comment, personne ne sait comment il va s'organiser pour la vaccination. La proposition que nous allons formuler, voilà un scoop, avec le collègue Monplaisir, président de la Commission développement économique, nous allons proposer un fonds de soutien pour les commerces de proximité, hôtels, bars, restaurants, qui ont subi les effets de cette crise. Nous allons proposer de voter 40 millions d'euros, je le répète, 40 millions d'euros pour venir en aide à tous ces commerçants, notamment les commerces de proximité, qui souffrent de cette pandémie. Comme en Allemagne, un minimum de 5 000 euros, l'Allemagne a mis un système informatique en place. Je ne sais pas si on pourra le faire, mais ça ne coûte rien d'essayer. En 48 heures, les lenders allemands ont versé 5 000 euros à toutes les petites structures de proximité, en 48 heures. Donc, je pense que nous pouvons le faire peut-être en 2 semaines, mais aujourd'hui, l'argent est là. Plutôt que d'aller rembourser des fameuses dettes inconnues qu'on aurait à la CAF, 19 millions d'euros, ou bien à la CGSS, 11 millions d'euros, sur des sommes dues par l'État, prenons cet argent, 40 millions d'euros, et accompagnons les petites structures de proximité, hôtels, bars, restaurants et sociétés de sport, tous ceux qui subissent les dégâts, les artistes, ouais. Zouk TV, ouais. Eh bien, accompagnons-les, parce qu'aujourd'hui, cet argent, c'est de l'argent qui sera bien investi. Pourquoi la collectivité, en tout cas les dirigeants actuels, sont en train de dérogoter, de dire non, c'est pas possible? Il n'y a aucune raison que cela ne se fasse pas. D'accord, parce que même en Guadeloupe, ils ont déjà annoncé qu'il n'y aura pas de chantier Noël et il n'y aura pas non plus de carnaval. Oui, Donc c'est que, et pourtant, ils ne sont pas confinés. Donc c'est vrai que ça m'a interpellé. Oui, ça, parce qu'il y a un consensus qu'il faut avoir au-delà des clivages politiques, oui. Au-delà des appartenances. Nous pouvons nous mettre d'accord entre élus martiniquais et dialoguer avec les commerçants. C'est un dialogue constant. Mais si vous dites aux gens, eh bien, vous êtes confinés, vous êtes fermés, mais je ne m'occupe pas de vos revenus, mais c'est normal que les gens se révoltent. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui au conseil exécutif chargé des finances, au conseil exécutif chargé de, à la conseillère exécutive chargée de l'économie, de rencontrer
les partenaires privés et de dire voilà ce que nous proposons. Voilà, c'est des solutions qui ont été expérimentées dans d'autres pays que nous pouvons mettre en œuvre, surtout que lorsque la collectivité a 78 millions d'euros d'excédent, elle ne peut pas dire qu'il n'y a pas de disponibilité. Ouais. Alors ce matin, j'ai entendu aussi aux nouvelles une charge contre vous de la part de M. Carole. Est-ce que vous pouvez expliquer ça à nos téléspectateurs qui n'ont peut-être pas suivi le début de cette affaire? Oui, mais je ne vais pas s'éterniser, mais le conseil exécutif, d'ailleurs, j'étais un peu surpris à publier un texte d'une rare violence, très acide. J'ai même eu des commentaires, il y a des commentaires des journalistes qui ont parlé de charge au vitriol, où il me prend personnellement à partie dans un article qui a sur les réseaux et qui dit que, mes propositions ne sont pas tenables. Mais surtout, il dit une chose qui ne correspond pas à la réalité juridique, c'est que la délibération est exécutoire. Alors pourquoi l'a-t-on désigné ou pourquoi il est monté au créneau face à moi? Je me pose toujours la question, mais il est à côté de ses pompes. Aujourd'hui, il y a deux vice-présidents de l'Assemblée, le collègue Monplaisir et moi-même, qui proposons le vote d'une une motion de défiance. Alors peut-être que ça l'a énervé. Et je lui ai fait une petite réponse aussi sur les réseaux que j'ai intitulée « Trumpistes à la CTM ». Les Trumpistes, ce sont ceux qui refusent les valeurs de l'état de droit et de la démocratie, comme l'actuel président sortant des États-Unis. Vous avez perdu, il y a plus de 4 millions de voix qui vous séparent de celui qui a gagné, Joe Biden, et vous voulez rester là, vous limogez des gens, enfin, vous menez une politique contraire à celle qu'il faut mener. Donc, les Trumpistes de la CTM, dont fait partie ce conseil exécutif, disent aujourd'hui qu'il ne faut pas respecter l'état de droit. Et ils disent au président du conseil exécutif, allez demander, non pas, comme ils disaient, une réquisition, mais maintenant, ils veulent une servitude de droit public, mais je ne sais pas juridiquement à quoi ça rime véritablement. Ça va conduire à faire que il y a un rebondissement judiciaire, c'est-à-dire qu'on est parti encore pour plusieurs mois de procédure, alors que la délibération qui a été votée sur mon amendement dit justement allons arrêter les procédures judiciaires, allons mettre fin à tout ce cinéma juridique, allons payer le propriétaire. Ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Toutes ces actions. Ça coûte de l'argent. Donc voilà un peu cette sortie, et je me suis permis de dire que parce que au-delà du côté tragique, je dirais, c'est comme un petit garçon, petit Francis, qui envoie un courrier à Papa Noël Macron et qui lui dit « S'il te plaît, donne-nous une dérogation alors qu'on est en crise sanitaire. » Et puis il lui dit à la fin du courrier « Est-ce que tu peux m'offrir un petit camion rouge de pompier comme cadeau de Noël ?» C'est à ce niveau-là qu'on est aujourd'hui. Il faut être sérieux. Il faut s'occuper sérieusement du laboratoire territorial d'analyse. Vous avez 7 cadres qui sont partis, dont notamment une dame brillante, ingénieure, qui est partie dans une autre collectivité, qui a un laboratoire qui est à l'abandon, qui ne payait même pas ses charges sociales. Tout ce que je dis là, tous les citoyens peuvent le vérifier. Ce conseil exécutif a du pain sur la planche. Il y a un cyclotron. Depuis 5 ans, où est-il? La Guadeloupe a déjà construit un cyclotron et acheté 2 TEPSCAN. Les Martiniquais vont se faire soigner maintenant en Guadeloupe. Où est-ce qu'on en est au niveau des écoles d'infirmières? Et aujourd'hui, ce conseil exécutif, il ne se consacre pas à son domaine d'activité. Et je lui dirais, concentre-toi sur ton travail. N'attaque pas l'opposition. Surtout, suis les conseils et les recommandations que nous te donnons, dépense l'argent convenablement, investis pour qu'il y ait en Martinique un cyclotron pour soigner les malades du cancer et ceux qui en ont besoin. Alors, un dernier mot, M. Lordino, les élections pour la CTM, semble-t-il, seraient reportées, c'est exact? C'est la proposition faite, le rapport a été remis aujourd'hui par l'ancien président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré. C'est une position sage, me semble-t-il, dans l'incertitude sanitaire. On a vu qu'aux États-Unis, quand même, les Américains sont allés voter. Ils ont voté beaucoup par correspondance, mais il y a eu 20 millions de personnes de plus qui ont voté par rapport à 2016. Donc, ça veut dire que les élections sont possibles pendant la crise sanitaire, mais nul ne sait
dans quel état sera la France et nous, la Martinique, en juin. Personne ne sait, sauf celui qui est là-haut. Donc, là, soyons prudents, organisons les débats, et je pense que Zouk TV a un rôle à jouer pour que les Martiniquais puissent choisir en toute conscience entre les projets qui leur seront présentés. Merci beaucoup, M. Lordino. Merci, Mano. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Manuela pour la réalisation. À très bientôt sur Zouk TV. Chébéred à tous.